Confitemini Domino, quam ia ad vos. Seigneur, car il est bon. Ce sont toutes les traditions chrétiennes qui sont venues cet après-midi à Thésée, accompagner frère Roger avec une immense peine après sa mort tragique, avec une infinie miséricorde, priant pour celle qui l'a tué mardi dernier, avec une grande espérance nourrie à la prière de Thésée, nourrie du témoignage de frère Roger lui-même, de son exemple authentiquement évangélique. Les frères, ceux qui ont fait vœu de mettre toute leur vie au service de la communauté vont maintenant l'accompagner dans le petit cimetière du village où sa mère et plusieurs frères sont déjà inhumés. Du monde entier, des témoignages sont parvenus et ne cessent de parvenir de l'importance que Thésée a eue au cours des dernières décennies, de l'importance de l'exemple de frère Roger. Hommage du Vatican, du patriarcat œcuménique de Constantinople, du patriarcat de Moscou, de l'archevêque de Canterbury, mais aussi du secrétaire général des Nations Unies. Le président de la République fédérale d'Allemagne a souhaité participer à cette célébration, ainsi que le ministre de l'Intérieur français, ministre des Cultes, de l'évêque président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Ricard. Témoignage aussi reçu, les messages envoyés de l'église protestante de Genève, ou du diocèse de Shanghai, du grand rabbinat de Lyon, ou du monastère de la Grande Chartreuse. Ce sont tous les chrétiens qui accompagnent l'un des leurs. Témoins du Christ, lumière du monde. Petite flamme de Thésée, en tout cas, ne s'éteindra pas.
milliers de personnes qui ont participé à cet office, pour continuer, pour ceux qui le souhaitent, de prier et de chanter selon les traditions de Thésée, pendant que les frères accompagnent la dépouille de frère Roger au cimetière. Ils se retrouveront ensuite. Et dès demain, les frères de la communauté reprendront l'emploi du temps de Thésée, le service, l'accueil des jeunes. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vous retransmettre cette cérémonie d'au revoir à frère Roger, à Frédéric Niquet-Châtelet à la production, Henri de Mérindol à la réalisation et toutes les équipes techniques de KTO à Thésée et à Paris. C'est l'archevêque de Lyon qui vient saluer Geneviève, la sœur de frère Roger, qui elle aussi a joué un grand rôle dans l'accueil, notamment auprès des enfants nombreux à Thésée. Et vous le voyez, ils sont nombreux, les porteurs de la petite flamme. À bientôt.